Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette édition en langue française. Au sommaire, retour ce vendredi du président de la République du Burundi d'une visite de 5 jours aux Émirats arabes unis. À son arrivée à l'aéroport international Melchior Ndadaye, le porte-parole agent du président Diomède Nzeimana a annoncé qu'il va être mis sur pied un comité mixte chargé de préparer les projets et leur mise en exécution. Et un nouveau représentant légal de la communauté musulmane du Burundi a été élu ce samedi. Il s'agit de Cheikh Shabani Ali Djoumaïné qui a été élu pour un mandat de 3 ans. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois, mettre sur pied un comité mixte qui aura pour mission de préparer les projets et leur remise en exécution. C'est l'un des accords signés entre le président burundais et son homologue des Émirats arabes unis lors d'une visite de 5 jours qu'il vient de passer dans ce pays arabe. C'est ce qui a été dit le soir de ce vendredi à l'aéroport international Melchior Ndadaye par le porte-parole agent du président burundais. Suivez-le. Le premier volet de relations diplomatiques, son Excellence le président de la République a éprouvé le souhait d'ouvrir une ambassade aux Émirats arabes unis et la réciprocité a été acceptée. Et puis, en deuxième lieu, il y a eu signature des accords, il y a eu comité mixte qui va être mis en place pour la préparation des projets, mais aussi pour voir comment on peut les mettre en exécution. Il y a eu aussi signature d'un accord commercial et technique. En ce qui concerne les investissements, il y a eu 5 investisseurs costauds qui ont accepté de présenter leur projet à son Excellence le Président de la République dans les domaines, en tout cas, qui intéressent la nation burundaise, que ce soit l'agriculture élevée, que ce soit le commerce, le transport, les infrastructures, etc. Vous savez par exemple qu'il y a une autoroute qui va relier Bujumbura à Gitega qui va être construite. Vous savez par exemple qu'il y a le chemin de fer qui va venir de la Tanzanie, passer par le Burundi, continuer vers la RDC. Tout ça, il y a des gens qui veulent être associés à ces projets-là. Et en ce qui concerne d'autres infrastructures, il y a par exemple une société qui se spécialise dans la construction des aéroports. Et vous savez aussi au Burundi qu'il y a un projet non seulement d'élargir cet aéroport de Bujumbura, mais aussi construire d'autres aéroports, par exemple à Bugendana, à Gitega. Son Excellence demande au ministère et aux autres organes de l'État qui sont concernés par ce qui a été discuté aux Émirats arabes unis de préparer des livrets qui montrent des projets bien étudiés parce que ces investisseurs veulent immédiatement venir au Burundi pour commencer. Et le partage des taxes plutôt issues de l'extraction des minerais entre l'État et les communes d'origine de ces minerais permettrait le développement de la population des dites communes. C'est l'avis de l'expert Boaz Nimé dans son exposé ce vendredi lors d'un atelier organisé par l'Association des consommateurs à Buko sur le suivi de la mise en application des recommandations à l'endroit des institutions supérieures de contrôle. Il ajoute que la mise en place dans un proche avenir du marché boursier au Burundi va permettre aux différents investisseurs d'apporter leur capital dans le secteur des mines. Armel Moutore. Les recettes issues des produits d'exportation du secteur minier sont passées de 4 milliards de francs burundais en 2014 à plus de 225 milliards de francs burundais en 2018. Ces chiffres ont été exposés ce vendredi par l'expert Boaz Nimé lors de l'atelier organisé par l'Association burundaise des consommateurs sur le suivi de la mise en application des recommandations sur le secteur minier à l'endroit des institutions supérieures de contrôle.
L'une des recommandations de cet expert est de prévoir la répartition de la taxe entre l'État et les communes hébergeant les sites miniers. Réviser le cadre légal pour mettre en application les dispositions pertinentes du code minier qui prévoit la répartition de la taxe ad valorem entre l'État et la commune. Il faut que la commune dans laquelle les sites miniers ont été installés, des communautés locales puissent tirer le maximum du développement découlant de la mise en exploitation des gisements miniers. Boaz Enihimbe n'a pas manqué à souligner que la future mise sur pied du marché boursier au Burundi va permettre de mobiliser l'investissement dans le secteur minier, ce qui va booster ce secteur, selon toujours cet expert. Avec son marché boursier, ça sera une opportunité pour les sociétés d'investissement qui veulent allouer les allocations budgétaires dans le secteur minier, de mobiliser encore une fois des ressources financières au niveau du marché des capitaux. Donc la bourse de valeur est en cours de création. Le gouvernement a mis en place une autorité de régulation du marché des capitaux. Pensons que les acteurs du secteur minier ont maintenant un autre marché qui va au-delà même du secteur bancaire. Parce qu'actuellement, on pensait qu'on ne peut avoir de l'argent en passant par le secteur financier, mais le secteur boursier, donc le marché boursier, est une autre opportunité. Le secteur minier burundais enregistre un faible rendement fiscal. Les montants prévus dans le budget de l'État et celles réellement encaissées diffèrent, selon toujours Boaz Enihimbe. Il recommande le réexamen annuel par l'Assemblée nationale de la loi de règlement avant l'examen du projet de loi des finances de l'année qui suit pour savoir les recettes exactes issues du secteur minier. Le dernier projet de loi a été présenté pour examen à l'Assemblée nationale en 2014. Je vous le disais en titre, Cheikh Chabani Ali Jumaine a été élu comme représentant légal de la communauté musulmane du Burundi ce samedi par l'Assemblée générale extraordinaire pour un mandat de 3 ans. Ndagijimana Proté Ousmane a été élu comme son adjoint. Le nouveau représentant élu a promis l'unification des membres de la Comibou. Le point avec Moïse Misago. Deux candidats étaient en lice au poste de représentant légal de la communauté musulmane du Burundi Comibou, à savoir Cheikh Chabani Ali Jumaine et Cheikh Djawabu Nzorirenga. 8 dossiers avaient été déposés au poste de représentant légal de la Comibou. Seuls 2 candidats ont été retenus. L'Assemblée générale extraordinaire a élu Cheikh Chabani Ali Jumaine au poste de mufti du Burundi. Il a été élu à 65 voix sur 122 votants. Ce dernier a promis la réconciliation de cette communauté. Nous allons mettre en avant c'est l'amendement de notre statut pour travailler convenablement et savoir où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous voulons aller. La réconciliation des musulmans sera notre priorité. Les membres de la commission qui étaient chargés d'organiser les élections des nouveaux dirigeants de la Comibou seraient juste du travail abattu. Misago Abdul Rachid, secrétaire de cette commission, précise que le procès verbal sera transmis au ministère de l'Intérieur pour approbation. Et vraiment, on a fait effort et heureusement, les votants sont venus eux-mêmes pour voter leurs nouveaux représentants. Ils sont déjà élus et nous attendons d'ici peu de jours, nous allons transmettre le PV. Le procès verbal donc est au ministère de l'Intérieur pour dire qu'il va nous donner une prise d'acte et après ça nous allons organiser donc les cérémonies d'investiture pour manifester donc la joie parce que c'est un honneur pour la communauté qui était déjà dans l'impasse. On n'avait pas donc de dirigeant il y a une année. Ndagijimana Proté Ousmane a été élu comme vice-représentant légal de la Comibou, tandis que Kigabiru Haruna a été élu comme vice-secrétaire général de cette communauté. Jusque-là, Idi Kabano Rajabu était représentant ad intérim de cette communauté après la démission de Sadiki Kadjandi Abdallah bientôt une année. Merci à Moïse Misago pour ce reportage. Et 150 personnes ont répondu présents au dépistage massif du diabète
au centre Chifa d'Obuyenzi et en mairie d'Obujumbura. Ceux qui se sont exprimés trouvent que ça leur permet de connaître leur état de santé. Le diabétologue et directeur de ce centre, Soudi Dikumana, précise que cela a été organisé dans le but de célébrer la journée mondiale de lutte contre le diabète. Ornella Mucho. Au centre médical de Chifa, c'est en zone Buyenzi, des personnes estimées à plus de 150 ont répondu à l'appel de la campagne de dépistage gratuit du diabète. Certains sont venus pour connaître leur état de santé et d'autres sont déjà des diabétiques et sont venus faire le contrôle du taux de glycémie. De toute façon, je suis satisfait parce que si je vais à l'hôpital pour faire la test du diabète, pour moi, je remercie le docteur de cette clinique-là, parce que c'est mieux pour les populations burundaises. Bon, je lance un message aux autres qui ne sont pas venus, de ne pas faire la négligence. C'est bon de suivre son état de santé régulièrement. Et surtout comme l'occasion se présente vraiment, c'est bien de se faire dépister volontairement. Bon, pour ceux qui ont organisé ceci, vraiment, je dis merci beaucoup. Qu'ils continuent ceci, c'est bon. Et de le faire au moins deux fois par an ou bien une fois par an vraiment régulièrement, ce sera encore très bon. Pourquoi très bon? Le diabétologue et directeur de ce centre, Soudi Ndikumana, dit que ces activités ont été organisées en vue de donner à la population en général et plus particulièrement aux plus démunis une facilité d'accès aux soins de santé à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le diabète. Parce que il y a des gens qui sont presque excommuniés quand ils n'ont pas de quoi payer à l'hôpital, de quoi se faire payer les examens ou payer le médecin ou les médicaments. Alors ils sont là à la maison souffrir avec leur maladie. Alors nous avons voulu briser ces barrières pour que chaque personne ait accès aux soins de santé équitables. Et on en avait prévu pour 200 personnes, mais nous avons arrivé à 150 quelques qui sont venus, qui sont toujours en train de venir. Alors cela a été dû à ce que non seulement le temps était limité parce que nous avons commencé de 7h à 11h et aussi nous sommes dans un centre qui est nouveau. On n'a pas voulu aller aux grands chiffres que nous faisons régulièrement. Oui. L'âge crucial que nous devons donner, c'est que la santé, elle n'a pas de prix, hein, mais elle a un coût. Il faut que chaque personne, dans toutes ses qualités, toutes ses, je peux dire, ses motivations, ses réalités, puisse avoir le bien fondé de sa santé. Ce spécialiste précise que dans le monde entier, 400 millions de personnes souffrent déjà de diabète. Quittons la province de Bujumbura-Mairie pour se rendre en province Lumongue. Quelques-uns des habitants qui bénéficient du bienfait des eaux thermales de Mugara, en commune Lumongue, demandent aux autorités de réhabiliter cet endroit et de disponibiliser un médecin spécialiste qui peut intervenir dans les cas d'accident. L'administration, quant à elle, a annoncé avoir un projet de réhabilitation de cet endroit. N'est-ce pas, Liliane Inamahoro? Ici, nous sommes au site des eaux thermales de Mugara. Ces eaux font d'elles une attraction quotidienne. Certains fréquentent ce lieu pour des raisons thérapeutiques et d'autres pour le divertissement. Pour ces personnes, ces eaux regorgent des vertus miraculeuses. Nous avons été informés par ceux qui venaient souvent sur cette place. C'est eux qui nous ont demandé d'amener notre mère qui souffrait. Je ne croyais pas que notre mère allait guérir. Aujourd'hui, elle va de plus en plus mieux. Certaines catégories de personnes ne sont pas mises à se baigner dans ces eaux thermales, comme l'indique ce docteur. C'est d'abord les épileptiques qui ne devraient pas se mettre dans l'eau thermale sans avis du médecin. Une fois qu'ils tentent, ils peuvent même subir d'énormes conséquences sur leur santé. Il est de même que pour ceux qui ont des maladies chroniques non transmissibles. Même si c'est bénéfique pour eux, ils doivent se faire accompagner par quelqu'un qui suit leur état de santé.
La troisième catégorie des gens qui ne doivent pas se faire baigner dans les eaux thermales, c'est les personnes ayant des pluies. Un médecin spécialiste et des infrastructures adéquates sont plus qu'urgents à cet endroit qui connaît une forte affluence de malades afin d'intervenir en cas d'accident. Je demanderai aux responsables administratifs et sanitaires d'amener un spécialiste pour ces eaux thermales, des kinésithérapeutes, mais aussi un nutritionniste. Il faut aussi que ces autorités instaurent des postes de premier secours. L'administration communale dit être à l'œuvre pour réhabiliter ce lieu touristique. Nous avons un projet de réaménagement de ce site en commençant par la réhabilitation de la piscine, le pavage et la construction des murs. Cela va permettre de rendre ce site touristique très attractif. Cet administratif ajoute qu'un montant variant entre 8 et 10 millions par mois entre dans le trésor de la commune Lumongue. Merci à Raïssa Liliane Inamahoro. Et en actualité internationale, un corps sans vie a été découvert ce matin par la police polonaise. Il s'agit d'un Syrien retrouvé dans les bois, tentant de traverser la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Au moment où l'Union européenne s'est félicitée ce vendredi des efforts fournis par certains pays pour endiguer l'afflux des migrants à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, les tensions ne cessent de croître du côté de la Biélorussie. Suivez ce reportage de nos confrères de France 24. Un groupe de Syriens est parvenu à sortir de la zone restreinte après avoir traversé la frontière. Ces volontaires polonais s'empressent de leur venir en aide. Comment vous sentez-vous ? J'ai tellement froid. Vous avez froid ? Vous avez de la nourriture ou de l'eau ? Non. Ils sont 6 adultes et un enfant. Ils affirment qu'ils se sont fait refouler plusieurs fois par les gardes-frontières polonais. On a fini par essayer de retourner dans notre pays parce que, vous savez, je ne pouvais pas traverser la frontière. Mais quand j'ai essayé de revenir à Minsk, l'armée biélorusse nous a attrapés et certains d'entre nous ont été battus. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui vous est arrivé, l'endroit où ils vous ont attrapé, ce qu'ils ont fait du côté polonais ? Ok, j'ai essayé de traverser 9 fois la frontière. Une voiture arrive. Ce groupe ne veut pas être vu. Il cherche à échapper aux gardes-frontières polonais et demander l'asile en Allemagne. Piotr prend leurs coordonnées au cas où. Si la police nous attrape, on vous appelle, c'est ça ? Oui, vous pouvez nous appeler. Mais si les bénévoles peuvent proposer une assistance juridique et des vivres, ils ne peuvent en revanche donner beaucoup d'espoir. Je vais être franc avec vous, on a beaucoup de groupes qui se font refouler. Ces Syriens ne vont donc pas demander l'asile, mais tenter leur chance dans la forêt. Au revoir. De retour à Varsovie, Piotr confie son désespoir de voir les autorités polonaises refouler tous ces migrants dans la forêt glaciale, même ceux qui réclament l'asile. Ils veulent que des gens meurent pour décourager les autres. Et ce n'est pas seulement illégal, c'est aussi inhumain. Cela ne devrait pas arriver en Europe, et en particulier en Pologne. Mais non loin de la frontière, à Sokolka, beaucoup d'habitants soutiennent la ligne dure du gouvernement. Ils voient les migrants comme une menace. Ils vont nous tuer. Ils ont déjà volé une voiture là-bas. Quand je vais à la campagne, j'ai peur de dormir dans mon village près de la frontière. Si on les laisse entrer, des centaines de milliers d'autres vont venir. Si la Pologne fait ça, la vague ne se déversera pas seulement en Pologne, mais aussi dans toute l'Union européenne. On a vu ce qui s'est passé en 2015. En attendant, impossible de savoir combien de migrants se cachent dans ces forêts, ni combien sont morts. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez fidèles à la télévision Isanganiro.